Salut tout le monde! Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment enregistrer. Premièrement, pour pouvoir enregistrer, vous devez avoir soit une clé USB, on conseille une 3.0, ou un disque dur externe qu'on branche à l'arrière de la boîte. La raison de tout ça, c'est que si jamais on enregistrait dans la boîte, ça prendrait la capacité de la boîte puis ça la ralentirait. Fait que les enregistrements sont dans un disque externe. Vous allez aller dans... Il y a deux façons d'enregistrer. Premièrement, une fois que la clé est branchée, vous pouvez enregistrer à partir du moment en direct. On va dire que vous écoutez la télé en direct, vous pouvez sur le bouton enregistrer qui est le petit rond rouge en bas à droite de la manette. Puis vous allez voir apparaître dans votre télé en haut à droite un petit rond rouge. Ça veut dire que vous enregistrez en ce moment. Si jamais vous ne voyez pas le rond qui apparaît, ça veut dire que votre clé ne fonctionne pas. Vous pouvez la débrancher, la rebrancher ou essayer un autre modèle. Une fois que vous voulez arrêter l'enregistrement, vous repèsez sur le bouton rouge. Là, vous allez voir, vous descendez une fois, vous allez peser sur arrêter l'enregistrement. Ensuite de ça, si vous voulez programmer un enregistrement d'avance, vous allez peser sur le bouton OK. Là, vous allez voir votre chaîne, votre liste de chaînes. Vous allez peser dans le fond à droite pour avoir la grille horaire détaillée. Là, vous allez choisir la journée de l'émission. Vous pouvez enregistrer vous pouvez programmer vos enregistrements une semaine à l'avance. Vous allez choisir la journée que vous voulez, vous allez choisir l'émission que vous voulez enregistrer. Puis là, quand vous allez peser sur le petit rond rouge en bas de la manette, ça va se programmer tout seul. Ensuite de ça, si vous voulez voir sont où vos programmations, puis sont où vos enregistrements, vous allez peser « Back » pour sortir de la grille horaire. Vous allez peser sur votre menu les trois lignes horizontales de la manette. Ensuite de ça, vous allez voir vos enregistrements vont apparaître ici et vos programmations vont apparaître ici. Si vous cliquez sur enregistrement, vous pouvez voir les enregistrements que je viens de faire. Puis là, si vous voulez supprimer un enregistrement, vous laissez votre doigt enfoncé sur le bouton OK de la manette. Puis là, en bas, vous allez voir tout sélectionner ou supprimer. Fait que faites tout sélectionner ou vous pouvez juste sélectionner un des deux et vous allez supprimer les enregistrements. Accepter. C'est tout. Si votre clé USB, aussitôt que votre clé USB est branchée ou votre disque dur externe, un ou l'autre, vous pouvez aussi faire pause sur la télé en direct. On va dire, là, j'écoute la télévision, je m'en vais aux toilettes, je fais pause. Ça sera pas long. Je vais juste faire un test. Ça, c'est le time shift, ça s'appelle. Si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il faut l'activer ici. Dans l'option du lecteur. Ah, time shift. Vous voyez? Une fois que c'est activé, on pèse back. Là, je pourrais faire pause sur la télé en direct. Et voilà.